bon, faut dire qu'avant que ça ne se passe, les clashs c'était réel en fait. C'était réel au début, on ne s'entendait pas du tout. Là, après, on ne voulait même plus tourner. Les liveuses, Nathalie et moi, on s'entend depuis très longtemps. Donc on s'est dit, non, on ne tourne pas parce qu'on n'a pas envie de voir un tel ou tel. Et puis on s'est dit, après, bon, c'est pas grave, on va faire l'aventure parce que bon, c'est quelque chose de bon à la fin, dans le festival. Donc on arrive, et puis le jour au restaurant, où Coco était assise, elle est toute seule. C'était réel, elle était très seule. Donc voilà, on ne la calculait pas, parce qu'en gros, on n'était pas très contents d'être en sa présence. Et puis il y a eu le petit clash avec Sue, voilà, qui était réel aussi, parce que j'en avais marre, je voulais... Donc du coup, elle nous avait énervé, elle était venue en retard. Voilà, elle était venue en retard. Une heure de retard, presque. Franchement, c'est bien, ils me sont assis, ça tu as une heure de retard, vraiment que... Quand même. Donc je dis, je suis désolée, mais moi j'ai pas envie de continuer de tourner. Et sa mère, ce que vous n'avez pas vu, est venue sur le tournage et s'est excusée et tout. Donc c'est un peu à cause de sa mère qu'on a accepté de continuer l'aventure, voilà. Donc, ça s'est passé au restaurant, on va pas donner le nom. Hein. Donc on était au resto et puis quand je suis arrivée, je n'aimais pas où m'asseoir parce que bon, il y avait Coco ici, il y avait Sio là, Nat était là. Voilà. Donc moi je me suis assise là, mais c'est assez énervée parce que je n'étais pas très bonne avec Coco. Donc moi et Nat on parlait toutes les deux et puis la conversation se passait entre Coco et Sio. Comme tranquille. Et à un moment, Coco qui dit, ouais, elle s'en va. Enfin, elle dit, elle s'en va. Oh, elle dit, mais faut pas dire. Aïe. Qui t'a attrapé ici? Elle est fâchée. Elle m'a pas parlé. Elle dit, ma chérie, faut te lever, tu vas partir. Donc elle s'est levée, elle est partie. Et quand elle partait, elle a lancé une injure. Donc j'ai répété, je ne sais plus ce que je lui ai dit, mais je l'ai très mal insulté. Dégage. Non, avant dégage, je ne dégage pas. C'est avant dégage que je l'ai insulté. C'est avant dégage. Non, parce que Emma est en train de regarder tout droit, mais en fait tout droit en face de moi, il y a le directeur des programmes de live. Est-ce que vous pouvez applaudir pour lui s'il vous plaît, monsieur? Il s'en fout trop. Il s'en fout trop. Et tous ces hommes, c'est pareil. Une fois après sa réunion, parce que j'allais la gaba mal. Ça c'était avant. Ça c'était avant. Vous avez ça. C'est fou là. Oh. Donc voilà, j'ai lancé une injure, je ne sais plus laquelle. Et donc ensuite, il y a eu le dégage, je ne dégage pas, tata. Fabrice est venu, Guizot, Mousse, tout ça, tout le monde s'est mis entre nous. Et puis ils ont essayé de nous séparer et ils nous ont fait sortir du restaurant. Donc je crois que vous avez vu la suite où Nathalie essayait de parler aussi avec ceux qui étaient en scénario. Là. Même si c'est la même, elle a mis dedans. Donc arrivé dehors, Fabrice nous a parlé à chacune. Il nous a dit, il faut vous calmer, vraiment, vous êtes des grandes filles. Après un moment, arrêtez de rentrer dans des trucs comme ça. Il dit, mais maman, ok. Donc j'ai réagi, donc vous, c'était la réalité, mais c'est quelque chose. Donc il a dit, oui, c'est vrai, Emma, mais franchement, arrêtez et tout. Donc revenez, il faut que vous puissiez régler ça au moins, même si vous ne voulez plus tourner, venez au moins vous excuser parce que vous êtes insulté trop fort. Donc on a dit, ok, on est revenu s'asseoir. Et quand on veut, c'est bien. C'est Nat et elle qui ont commencé. Donc Nat. Oui, en fait, ce que le public ne sait pas, oui. C'est que Coco est quelqu'un de très sensible. Oui. Donc, sous ses grands airs de clasheuse, elle est hyper sensible. Et j'ai remarqué quand elle est venue s'asseoir qu'elle avait les mains qui tremblaient. Ouais. Et elle pensait qu'on avait fait un complot, justement, Emma et moi, pour voilà, c'est faire ça, tu vois, non voilà, c'est ça. Donc, voilà. Il fallait que
couchait et il fallait que je la rassure qu'on n'a pas fait de complot. Oui. Et je pense que de là, quand je lui ai dit, écoute, il n'y a pas de complot, tu as dit une phrase à Emma qu'elle n'a pas appréciée. Elle a retorqué, tu connais la violence verbale de Emma, c'est Emma, sa bouche ne peut pas. Elle a retorqué et j'ai essayé de dire à Coco que non, écoute, on s'entend pas très bien, certes. On n'a pas fait. Mais on n'avait pas fait de tout contre elle, en fait. Et là, elle a fondu en larmes. Oui, elle a commencé à pleurer. Quand elle a commencé à pleurer, je vous jure qu'à ce moment-là, j'ai aussi commencé à pleurer. Non, mais j'étais mal. J'étais très très mal. Je me suis dit, merde, on peut se lâcher, mais c'est pas. Je voulais pas te blesser à ce point. Donc je lui ai demandé pardon. Je lui ai dit vraiment, Coco, pardon. Donc j'ai attrapé sa main, je lui ai dit, je suis vraiment désolée, je voulais pas te blesser pour sorte. Elle s'est excusée en retour. Et là, on a commencé maintenant à parler de nos différents clashs. Et on s'est rendu compte qu'en fait, on a rien contre nous les unes contre les autres, en fait. Et que c'est fou. C'est vous qui nous mettez dans ce genre de choses inutiles parce que vous êtes en mode comparaison de X, comparaison de Y. Vous êtes en train d'écrire à X en inbox. L'autre a dit ça sur toi. Souvent, on parlait même pas souvent de l'une de l'une ou de l'autre. Mais vous êtes là, vous prenez des trucs, vous collez. Et donc après, la plus sensible ou la plus faible va dans tous les sens. Donc finalement, on s'est rendu compte qu'en fait, le problème, ce sont nos fans. Ben, on griffe parce que je pense que les vrais fans ne font pas ça. Donc actuellement, je ne sais pas qui est ici. Qui est ici là. Parce que quand vous êtes les vrais, normalement, c'est vous qui deviez être en mode non, vraiment, arrêtez de vous clasher. Vous êtes trois grosses têtes, mettez-vous ensemble. Mais au lieu de ça, nous, on reçoit des inbox, Nathalie et moi, mais c'est vous qui révélez les informations, les palabres. Donc on s'est dit tout simplement qu'on ne va plus vous calculer et puis on va se mettre ensemble pour... Grâce à Fabrice, ça va Fabrice Avignon. Non, c'est Live TV, c'est vrai. Mais moi, je le jure, devant vous, c'était pas Fabrice, c'était une autre institution, je ne le faisais pas. Oui, je ne le faisais pas. Fabrice, c'est mon grand frère de cœur, c'est... Voilà. Il faut pas être jaloux, toi aussi, sur mon élément. Mais je veux dire, voilà. Et aujourd'hui, je lui dis merci parce que aujourd'hui où nous en sommes, c'est magnifique. On a un groupe WhatsApp où on vous critique. Ou quand vous commencez comme ça, nous on termine là-bas. Voilà. Donc en gros, vous pouvez plus rien contre ces trois têtes. C'est super, ça se passe super bien. Et.